Bonjour, internautatrices et internautateurs. Ici Gelden pour les Jeux du Cygne. Nous retrouvons la coalition des seringues avec toute la famille vampire. Nous avons le papa. Bonjour, monsieur Canton. On dit bonjour à la VOD. Nous avons la maman. Bonjour, madame Katox. Avec le bébé dans le ventre. C'est le petit symbole que vous avez ici. Nous avons le fiston qui vient d'avoir des crocs qui lui sont poussés. Il est désormais lui aussi un sanguinophage. Et nous avons la petite Chobiti, qui est encore une simple humaine, mais tôt ou tard, on peut se dire que ça va changer. Et voilà, et puis nous avons toute la fine équipe, une base qui fonctionne, ma foi, assez bien. Voilà, nous sommes quoi? Nous sommes au printemps. Donc nous avons encore un bébé. Ben oui, Katox ressemble à une pondeuse, absolument. Nous avons un forage en profondeur. Et je crois bien que voilà, nous sommes en train de chercher le scanner. Pour pouvoir nous en servir. Parce que c'est quand même un peu le drame, tout ce qui est métaux. Et là, on commence à construire une grande crypte dans laquelle on mettra tous les sarcophages pour que nos différents sanguinophages, parce qu'on a quand même maintenant 4, il va falloir d'ailleurs effectivement que j'en fasse un cinquième. Enfin, oui, que je fasse un quatrième plutôt. Et ben l'autre couple, non, en fait, on avait constaté que il y en avait un nocturne et un diurne. Et du coup, ben en fait, ils se croisaient jamais au pieu. C'est un peu con. Mais comme il avait... c'était Rossignol, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, Rossignol avec Tom. Comme Rossignol était, c'est un octambule, mais qu'il a un bon moral. Et puis que comme maintenant il va faire crac-crac, bah ça va lui booster son moral. Ouais, un peu. Quel talent. Et une petite éclipse. J'en suis où de mes repos de la mort là? Là, ça va. Là, ça va. Là, bah forcément, ça va. Henriette, ça va aussi. Ok. Alors, Henriette, là, ça sert à rien. Parce que là, il n'y a rien. Faut pas s'en servir tout de suite, là. Je sais pas s'il y a quelque chose là-dessous. Voilà, donc la crypte, c'est fait. Je pourrais même... c'est un truc que j'ai encore jamais fait. Où est-ce qu'on change les couleurs? Tiens, c'est vrai que je pourrais me faire des mini-tourelles aussi. Vu que j'ai quand même zéro protection, ça pourrait peut-être valoir le coup. Pousse d'ambroisie. Tac, 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 tac. Voilà, le scanner, c'est fait. Alors, ensuite, je pourrais faire une petite télé, je pourrais faire des portes automatiques. Je pourrais faire du cacao. Ah oui, si on m'avait suggéré de faire du cacao. Ou du diable d'eau. Ce serait bien aussi que je me fasse des trucs en diable d'eau pour avoir des vêtements un peu solides, sauf qu'il fait froid. Pff, ouais, je sais pas. C'est pareil, le cacao, le problème c'est que pendant toutes les périodes froides, ça poussera pas bien. Ensuite, ça dépérira pas, mais... qu'est-ce que je vais faire? Alors sinon, je pourrais aussi me dire... Des lumières colorées... Oh, très très bien. Très très bonne suggestion. Et puis aussi... Ah oui, s'il y a peut-être un moment où je ferai des lits médicaux. Mais pour ça, il faut le matériau stérile. Ok. Donc je vais faire les lumières avancées, ensuite je ferai matériau stérile, et ensuite les lits médicaux, histoire de faire un vrai hosto.
Très bonne suggestion. Hop. Tac. 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 Il va falloir du courant aussi là-dedans. Tac. Tac, tac, tac. Hop. Hop. J'ai combien d'acier en stock? 1500, ça va. Attends, il y a une pousse d'ambroisie. Il faudrait que je la tag. Zone, tac. C'est juste, juste à côté de mes moult déchets. C'est pratique. Hop. Mais on vire la zone de base. Tac. Sauf que, alors, j'avais constaté que ça restait quand même une zone fragile. Et je m'étais dit que je pourrais faire un deuxième mur pour inciter les vilains à pas trop aller par là. Je m'étais dit du granit, j'en ai que 4, ça va être compliqué. Tac, comme ils n'y vont pas souvent, c'est pas très très grave que ce soit. Et avec une porte là, je sais même pas pourquoi j'ai fait une porte ici. Ouais, au cas où. Hop, tiens, on coupe ça. Au niveau bouffe, on n'est pas spécialement large. Je vais quand même faire une porte ici. Ça me saoule qu'il soit à chaque fois obligé de faire tout le tour. J'ai quand même pas mal de récoltes qui se font là-bas. Non, couvert l'enceinte, mais oui. Il faut, t'as raison, que j'étende la zone à ciel ouvert pour que ça. Parce que sinon, ça va chauffer. Voilà. Allez, maintenant. Attends, bon, je vais d'abord faire le mur d'enceinte. J'aurais pu le faire en marbre. C'est un peu con en fait. Tant pis. Ce que je pourrais faire en marbre aussi, ce serait améliorer la beauté de toutes mes pièces. Parce qu'en fait, elles sont toutes médiocres. Déjà au nord de la base, on peut les faire respirer. Respirer, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que je pourrais aussi étendre la zone à ciel ouvert? Oui. Oui. Attends, ça risque pas. Non, ça risque pas les courgettes, ça. Attends. Non, je vais garder ça quand même. Ouais, je vais faire un petit. Ouais, c'est ciel ouvert. Je sais plus si ça craint les. Si ça risque de faire des courgettes, les poêles à bois. Je peux faire tomber les murs, oui, c'est vrai. Non, mais en fait, j'ai plein de marbre. Ça, par contre, je vais faire quand même. Remplacer tous mes lits. Je pourrais anticiper. Ouais, bof. Faire des lits en marbre.
Hop, attends, pourquoi est-ce qu'il... Mauvaise orientation, ça. Hop. Non, c'est pas dupliqué que je veux. Mis en marbre, dans ce sens-là. Tac, tac. C'est déjà un énorme marbre, très bien. Tac, tac, tac. Là, c'est du marbre. Là, c'est un lit en ardoise. Ouais. Ça va encore. Ah, tu vas avoir une recrue d'ici peu. Alors, sauf qu'il faut que je fasse gaffe que les diabloïdes, ça craint le froid. On n'est pas forcément à notre mort. Je sais plus. Non, c'est sur cette partie que j'ai eu un mort. Quand on fait trop de parties, on les mélange. Oui, c'est ça. C'est bien là. J'avais eu un mort, un diabloïde mort de froid. Hop, ensuite mobilier, table de nuit en marbre. Ah, une louve. Faut que ce soit dans le même sens, c'est marrant. Soit remplacé. Tac. Tac, tac. Tac. Alors, Henriette qui se fait prendre en chasse par une louve. Où est-ce qu'elle est, Henriette? Elle est là. Bah, elle va se planquer à l'intérieur, Henriette. D'ici... Ah merde. Non. Je pensais qu'elle aurait le temps. Allez, fais-lui la peau. Ah. Putain, c'est solide, ces bestiaux. Le duel de l'homme contre la bête. Qu'est-ce qui est en maladie grave? Always. C'est quoi? Ouh, Luciferium? J'étais pas conscient de ça. J'en ai du Luciferium? Wake up. Smokeleaf. Yayo. Ah, pas Luciferium. Eh ben... Content de t'avoir connu. Content de t'avoir connu. C'est un peu dommage. C'est quoi j'ai? Bah tu vas commencer par te dessaper, hein. Ah si, t'en as là. Prendre le Luciferium. Non, consommer. Hop, il se fait déposer. Tac. Hop. Et je voudrais que tu fasses prendre Luciferium. Voilà. Ok. Donc, j'ai une junkie. Il faut donc que je... C'est tous les combien de temps le Luciferium? Je me souviens plus. Ouais, elle était à 1%, quoi. C'est tous les combien de temps le Luciferium? Je ne sais plus. Je souhaiterais Luciferium.
Alors, je vais aller jeter un œil sur le wiki, parce que c'est pas une info que j'ai par cœur. Luciferium. D'accord, donc c'est tous les 6,667 jours. Ils sont drôles. Ils sont drôles. Donc, ouais, qu'on lui coupe la tête. Il faut faire tout ça. Ouais. Donc, il faut qu'elle en prenne tous les 6 jours. Ok. Et eh ben, go pour. Hop, t'es entre ceux qui tournent au yayo et ceux qui tournent au luciferium, je te jure. Alors, c'est qui? C'est Always. Donc, Always, modifier, nouvelle règle. Luciferium. Hop. Tu me décoches tout ça. Et ça, tu le prends à intervalles réguliers, c'est-à-dire tous les 6 jours. Mais j'en ai qu'un seul en stock quand même, hein, putain. Attends, je vais vérifier quand même. Bon, rien. Ah, c'est bon, putain, est sorti. Va me charger ça. Et ensuite, tu y retournes. Hop. Ensuite, tu me fais un finish off sur lui. Finish off. Tac. Voilà. Et puis bah tu rentres te coucher, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais me faire un petit jump, histoire de gagner un peu de temps. Ouais, ça coûte une blinde, je sais bien, mais j'avais pas repéré qu'elle avait ce problème-là. Hop. Nouvelle recrue, Lina. Alors, Linette. Et oui, on ne peut pas le raffiner, donc ça veut dire qu'il faut que maintenant que je m'en approvisionne. J'ai un luciférium, quoi. Je vais faire le tour de mon inventaire quand. Mais d'abord, donc toi, t'es pas un soldat du tout. Donc, Linat, tu es ouvrière. Tu vas avoir le même rythme que les autres. T'es pas une noctambule? Ah si, t'es une noctambule, toi. Comme t'es pas en couple, on peut te faire bosser de nuit. Donc, Linat. Oui, j'imagine bien que... Non, c'est dodo, là. Tac, 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 tac. Jusqu'à 18, tu te fais du loisir en te réveillant. Et le reste du temps libre, c'est-à-dire tu bosses. Hop. Et tu vas t'équiper d'une arme de tir, pas forcément ouf, mais un petit fusil d'assaut, fusil de précision, PM, pistolet mitrailleur. Ouais, je vais me donner un petit pistolet mitrailleur, parce que les fusils d'assaut, ça demande quand même d'être vraiment trop proche. Équipé pistolet mitrailleur lourd. Lidotte, future femme de Russie. Oh oh oh! J'ai plein de sculptures de merde. J'ai une bonne, non deux bonnes. Où est-ce que je pourrais en mettre? Là, je pourrais en mettre une bonne sculpture. Que les gens y soient contents. Là aussi, même si c'est la même pièce. J'ai pas de jaloux dans cette. Oh, c'est dans... Sur ma partie. Mon autre partie, là où c'est tellement chiant. J'ai plein de jaloux. J'ai plein de. La gestion du moral, c'est compliqué.
compliqué, compliqué, compliqué. Hop, allez, je trouve une autre ici. Ouais, les coupes, ça c'est. Ouais, les sculptures, bien entendu. Dans les poches des marchands. Une commande en marbre. Hop. Tac, tac. 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 Lumière avancée. Youhou, on a dit ensuite matériaux stériles. Un tout petit AFK, il faut que je le mouche. Les tourelles alimentées, c'est mieux, c'est pas faux. Détail. C'est un tout petit détail. Hop. Suffit de demander. Il me reste 8 composants. Et j'en produis toujours. Si, j'en produis là. Pardon. Bon, ça va pas l'air d'être leur priorité, mais. Ça coûte combien? C'est 3. Ouais. Poussée de croissance pour Damned. Il a atteint l'âge de 10 ans. Excellent personal development. Damned aime lire sur différentes cultures, mais plus que tout autre, il adore faire des dessins. Very kind kid. Ça veut rien dire, même en anglais. Il peut maintenant être médecin, geôlier, constructeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait comme croissance? 3 compétences. Et un trait. Alors, gâchette facile. Ah, c'est mieux qu'avant. Gâchette facile, perspicace. C'est cool. Robuste, c'est cool. Hypersensibilité, c'est pas terrible. Mauviette, c'est nul. Alors, ah. Si Damned était là. Je lui. Attends, vous savez quoi? Je vais essayer de le pinguer sur le jeu. Je vais lui demander ce qu'il veut. Sur Discord, je vais lui demander ce qu'il veut prendre. Hop. Hop. Tac. Damned. Hop. Alors, je vais booster 3 compétences. C'est cool ça. Bah, je vais améliorer ces deux-là. Et construction. Hein. Ouais, pas si vite que ça, mais. Est-ce qu'il a artisanat, médecine? Ouais, j'ai vu. Bon, je vais mettre plus tard. De toute façon, j'ai 48 heures pour le faire. Donc. On dit travail pour Katox. Ouais, tant que c'est pas le travail de la grossesse. Oh, oh, oh. Et je suis trop drôle, moi, comme mec. Fabriquer une épée longue. Ah! Qu'est-ce que tu nous as fait comme épée longue? Ouh, bah attends, j'ai. J'ai juste 3 épées en plastacie excellente, quoi. Détail. Monsieur Madness, ok, Onyx Trou.
Et mon deuxième meilleur mêlée, Henriette. Donc Onyxtro, Tom et Henriette, vous avez tous les trois gagné une excellente épée en plastacier. Pour peu que je les retrouve. Alors, là, j'en ai une. Onyxtro. Va aller. Hop, équiper ça. Tom, qu'est-ce que tu me fais? Tu fais ça. Alors, tac, deuxième. Il est tellement pratique ce mode weapons. Et Henriette, qu'est-ce que tu nous fais? Tu fais de la relaxation sociale. Très bien. Hop. Tu vas aller la chercher là. Ok. Et du coup, ensuite, je pourrais rééquiper peut-être un peu les autres. Ah, c'est le petit Damned est en train de répondre. De fait des jumeaux, la frénésie de travail. Robuste, il aime bien. C'est très bien, robuste. Donc, le petit Damned sera robuste. Multiplicateur de dégâts, c'est très bien. Il sera médecin. Allez, bien. Le petit gif qui va bien. Minage ou construction? Qu'est-ce qui me sera le plus utile dans la constructeur? J'en ai quoi? J'en ai trois qui sont déjà très bons. Mineur, 16, 9. 8. Ouais, je vais peut-être le mettre plutôt mineur. Allez, donc, artisanat, minage et médecine. Médecine avec un beau zéro. Et robuste. Oui, en plus, c'est clairement le meilleur robuste. Ouais, perspicace. Ça leur est le moyen, en fait, seulement. Allez, gâchette facile, c'est vrai que pour un vampire qui va taper au cac, c'est pas très très utile. Bon, le mur, il avance pas très vite. Hein. Je remarque. En même temps, je leur ai demandé de construire des trucs par ici. Hop. Un colon a besoin de soins. Comment se fait-ce? Robuste et super immune. Qui est-ce qui a besoin de soins? Catox. Ah oui, c'est quoi? C'est. Ils ont quoi encore les parasites musculaires là? Robuste et super immunité. Il n'a pas super immunité. À la vôtre. Ça, j'adore le mec qui dort, et puis à côté, t'as l'autre qui est en train de faire son boulot. Bon, c'est un peu le drame, le Luciférien. Putain, j'espère que. Est-ce qu'il va falloir que j'aille en choper Ah, pourquoi Oui, c'est-à-dire que super immunité, il faudrait que j'essaie d'aller chez eux. Peut-être que je pourrais en choper du Luciferium. Ah, attends, je pourrais même le voir. Montrer les objets vendables. Ah non, ce que je. Chose que ce commerçant achètera. Et tu pourrais pas me dire ce que tu peux me vendre. Ça m'arrangerait en fait. Commence à être bien bien plein. Mon stockage.
Tu me diras, ça pourrait être l'occasion d'aller faire du commerce. J'ai quand même du monde. Weapons, on avait dit qu'on faisait un petit tour du coup. Ça, c'est marrant. DPS a augmenté. Comment se fait-ce? Bon. Alors. Toi qui transportes juste une bonne lance, Rossignol. Va équiper une corne de Trumbo quand tu auras fini de faire crac crac. Rossignol, Rossignol, où es-tu? Tu es là. Tac, équipé corne de Trumbo. Et ensuite, qui est-ce qui porte? Ah bah, Tom. Ok, super. Ah non, pas Tom. Qui est-ce qui porte ça? Ah si, mais tu l'as dans ton inventaire. Ok. Lâche ça, fais attention de pas te piquer dessus en faisant des galipettes. Ration de survie, ça n'a rien à foutre là. Riz, ça n'a rien à foutre là. Riz, ça n'a rien à foutre là. Bon, bah j'ai pas d'autre luciférium. Ça y est, le drame. Ok. Il faut que je me fasse un truc. Un scanner géologique là, c'est où? C'est pas là. Scanner géologique. Ça doit être en extérieur ce truc, hein, si je me souviens bien. Je vais le mettre par là, par exemple. Tu veux m'aligner aussi pour faire propre. Et puis stratégie de négociation pour Canton. Formidable. Avec un petit fauteuil en cuir. Tiens, ça craint d'être à l'extérieur ou pas ces trucs-là? Je sais pas, on va voir. Ouais, en fait, du coup, ils ont plus d'espace pour ranger. Bien. Est-ce que là, j'ai de nouveau tout ce qu'il me faut. Oh, j'aimerais bien qu'il me fasse ce putain de mur. Hop. Ouais, le problème en fait c'est que Tom elle est complètement monopolisée ici sur les constructions un peu costauds et puis c'est un peu long à faire ces trucs là. Chef-d'œuvre, bravo. Tout de suite. Ouais, c'est toujours médiocre, c'est ouf ça. Putain. Ouais, c'est la saleté qui... Naze. J'ai plein de monde et... Plein de trucs que je demande et qui se font pas, quoi. Pénible. Repos de la mort. Ah oui, c'est vrai que Canton, maintenant, il pourrait avoir une deuxième ressource. Et ben, ça va être ça. Des mots pompes, certainement. Il y a Canton. Canton, Canton. Je
comprends pas tout hein, sur cette capacité de repos de la mort là. Pourquoi est-ce que je suis pauvre. Allez, tu vas aller faire dodo. Attends, est-ce que c'est le plus pressé? Henriette, ça va. Qui d'autre? Domned, ça va. Et pas de soucis. Catox, bah, il faudra peut-être que tu accouches avant. Est-ce que. C'est une bonne question. Est-ce que le vampire qui est en repos de la mort est susceptible d'accoucher? Intéressant comme question. Je ne sais pas. Donc ça, ce sera Monsieur Damned. On va peut-être passer en vitesse 3. Le cercueil est médicalisé. Non, il est... Ah tiens, non c'est le ah si ils ont tiens ils ont changé la traduction. Il est médicalisé, ouais je sais pas, je ne sais pas. Alors le scanner géologique est prêt. Alors du coup j'ai besoin de ouais, c'est bon, j'ai pas mal de gens qui font la recherche. Éternel en particulier, Catox, pas te mettre en nettoyage. Shadow, tu es en train de rechercher. Elysium, pareil. Je vais t'annuler ça, histoire que tu me fasses du scannage. En priorité. Ah, elle a toujours pas fini, Tom. Ah, ça y est. C'est parti pour le mur à perpète les oies. Matériaux stériles. Très bien. Lits médicaux. Paf. Alors, matériaux stériles. Tac. Sol. Carrelage antibactérien. Tac. Ça coûte une blinde ça quand même. Juste pour voir. Je fais un peu vite. Ça me coûte combien? 1080 de thunes. Bon, ça va, j'ai 5000, mais. Et 270 de d'acier, ça va. Fais-moi un petit accélérateur pour Damned. Ouais, c'est cool, ils ont apporté le matériau. Maintenant, il ne reste plus qu'à construire. Je vais rajouter. Rajouter ça là. Bien organiser les choses. Tac. Déplace ça comme ça. Niveau réserve de bouffe. Ouh. Putain, j'ai une quantité de lait par contre. La vache! Putain, c'est les mériacs là, ça y va. Hein.
Je vais peut-être aller me faire un peu de chasse au Buffalo parce que c'est tellement drôle. Qu'est-ce qui... Hop. Je ferai des mouvements. Ok. Alors, va me chasser le wapiti et va me chasser le sanglier, s'il te plaît. Hop. Et ils font exprès, hein, je te le jure. Il est un tout petit peu surpris. Putain. Ah, en fait, c'est j'ai plein de jeunes. Ouais. Ouais, là. Pour la crypte, l'éclairage est un peu limite, là, non? Ah bah oui, il est un peu... C'est vrai que... Est-ce qu'on fait rouge comme ça? Ouais, bah ouais, rouge. Bah oui, clairement. Copier la couleur. Ouah. Et... Tac. Une petite ici, encore une. Tac. Du coup, maintenant qu'elle est terminée, hop, caneton, hop, tac. Hop. Et hop. Artisanat niveau 20, gros respect. 20 d'artisanat, 20 d'intellectuel. Et 15 en tir. Celui-là, c'est pas n'importe qui quand même. Ça c'est ta rondelette, ça c'est ta caneton, et ça c'est ta catox. C'est rouge. Fournisseur. Oui! Un fournisseur militaire, mais il n'aura pas de luciférium. Il faut que j'aille en chercher. Il faut vraiment que j'aille en chercher. Je fais n'importe quoi à attendre. Vaisseau psychique, pas glop. Pas glop. Bah, il va falloir gérer ça avant de gérer le problème du luciférium. Bon, ok. Alors. Pour ça, j'ai combien de tireurs? Hop. J'ai 10 tireurs. Ça, oui. Ah, qu'est-ce que... Ah non, Rossignol, c'est un cac. J'ai 9 tireurs. Donc, 9 tireurs, tac. Ça veut dire que tu me fais granit, j'en ai pas, mais c'est pas très grave. Tu vas me faire ça en calcaire. Mais en calcaire, tac tac tac.
5, 6, 7, oh non, c'est pas bon. 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7. Hop, ouais, ouais. Ils aiment bien, manifestement. Alors, c'est qui cause ici? C'est qui mon meilleur geôlier? C'est. Oh, Damned, c'est vrai qu'il est bien. T'as 10 en 10 en sociabilité, quoi. Respect. Hop. Nourrice, pas mal aussi. Il pourra s'occuper de ses petits frères et petites sœurs. Minage, tac. Artisanat. Non, si je le mets sur l'artisanat, il va en faire en boucle. Là, pour l'instant, il faut qu'il apprenne. Comme on voit que le fait d'apprendre, ça permet de faire des trucs sympas. Commercer quand tu pourras. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu me rachètes? T'as pas beaucoup de sous, c'est dommage. Damned Donalds. Couteau, couteau. Ah ouais, il est à 18%. Oh la vache. Bah, je vais la garder parce qu'en fait, ça modifie pas son. Ça modifie pas son DPS, donc. Hop. Médiocre. Oh là là, il y en a. Il y en a du médiocre. Même de la sculpture médiocre. Attends, est-ce que je peux t'acheter des trucs? T'as pas de luciférium? Putain, donne du luciférium. Médoc, ça je prends, clairement. Alors, ça. Ouais, mais ça j'ai pas de quoi faire. En arme de cac, j'ai un peu ce qu'il me faut. Lanceur de bombes tox. Chargé de bombes toxiques à chargement automatique. Ouais. Caisse de reconnaissance, je vais prendre. Pack de fumigène, ça peut être sympa, ça. De toute façon, je vais avoir des sous. Ça pourrait être rigolo, comme j'ai des gens qui font ce genre de choses, donc. Alors, Godjuice, on revend. Wake up, on revend. Yayo, il faut que j'en garde. J'en garde toujours 10. Ambroisie, je revends. Les pétards, je revends. TP Koe, je revends. De 75. Bon, ça commence à être un peu mieux. Masse en métal, bonne. Ok, cocktail Molotov, on a dit qu'on voulait pas garder parce que c'est déjà arrivé qu'on ait des emmerdes. Pilum, j'en ai rien à secouer. Arc long, j'en ai rien à secouer. Arc composite, je m'en fous. 385. Il lève en argent. Qu'est-ce que j'en ai récupéré une quantité, comment comme ça? Lance en métal normal, je m'en fous. Qu'est-ce que j'ai en normal? J'ai aussi plein de sculptures. Ouais, mais ça prend ma place aussi. Épée en métal, hop. Et en argent, je revends. Hop. Hop. Et ben du coup, je vais garder le glaive en argent.
952 et non, sans métal. Ok. Et ben, à boule la thune. Hop là. Poum. C'est un bon échange. Qu'est-ce qui va me porter le casque de reconnaissance? Ben, ça va être Monsieur Madness. Il joue au poker. Hop. Le pack de fumigène, il vaut mieux le donner à des distances. Éternel, par exemple, qui joue au fer à cheval. Et alors, bombe tox sur Storch ou sur Shadow. Ils sont tous les deux très bons tireurs. Non, Sir Madness, il est home top. Bah écoute, Shadow par exemple. Quand tu te réveilleras. Faites chier les parasites musculaires, je vous déteste. Ah merde, du coup, c'est pas considéré comme une arme de chasse. Bah tant pis. Tu ne seras plus chasseur, Shadow. Shadow, Shadow. Chasseur. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle fout, Henriette? On peut pas te reposer. On va venir s'occuper de toi. Voilà. Mauvaise couleur. Voilà, tout rouge. Bon, ceci dit, j'aimerais bien qu'on s'occupe de ça rapidement, avant que ce ne soit source d'ennui. Ah, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Terminer la construction numéro 4. Très bien. Ah merde. Il faut pas. Il faut attaquer. Hop, il faut attaquer, c'est bon. Chobiti. Voilà, Chobiti, même pas peur. Hein. Tiens. Chobiti, mais non, mais t'en as sur toi. Putain. Hop, et là. Caneton, reviens par là. Voilà, 5 sur 5. Mais par contre, tu vas pas rester en attaqué. Hein. Construire une armerie pour défense. Ouais, franchement, avec ça, j'en ai pas vraiment l'intérêt, l'utilité. Dans l'absolu, ce serait bien, mais franchement, c'est pas indispensable, quoi. Bon, le truc, c'est que l'Éternel, en fait, il nous fait en boucle de l'artisanat, du coup. C'est bien un travail de recherche, scanner à longue portée.
Succès dépend de la compétence recherche. Ah, mais est-ce que du coup, est-ce que c'est un travail de recherche? Si par exemple je dis ça. Est-ce que c'est pas un truc de manutention? Non. Chercheur, utiliser un scanner, oui, un scanner généalogique. Oh putain, t'es sérieux, Canton, tu t'es barré. Ah, il en manquait. Ah, Scrognobique. Eh oui, il y en avait qu'un sur cinq. Les médicaux, c'est fait. Moniteur de Sinito, tac. Ah mais ça va encore être le. Les composants qui vont manquer. Allez, tu me finis ça. Et le lendemain, c'est l'attaque. Voilà. Ah oui, sinon j'ai aussi la possibilité d'utiliser mon mortier là. Mais bon. Ouais, non. Changer la couleur. Si le frigo, il fait froid dans le frigo. Alors c'est bleu. Ouais, ça. C'est un peu fort comme bleu. Un bleu, là c'est fait un peu maladif. Ouais. Ouais, comme ça. Ouais, s'il s'amuse à nettoyer la. Non, non, ça va pas le faire du tout là. Vous faites pas chier à nettoyer cette pièce-là parce que sinon c'est mort. Oh non, Spike. On a dit qu'on combattait tout à l'heure. Tu vois, il n'y a personne à insulter. Les gens, ils dorment à cette heure-là, Spikey. Faut arrêter de s'énerver après eux. C'est pas bon pour le sang. Seul à base de foin, je sais pas. C'est quoi ça? Litière en paille, ah ouais, t'as raison. Pour une utilisation les étables, bon marché, prend peu la saleté. Eh mais il est trop fort ce type. Hein. Il connaît tout. Moi je suis qu'un noob. Je suis qu'un noob, je vais le faire là aussi. Comme ça quand j'aurai du foin. Hop. Quel talent. Ouais, Spikey, il faut arrêter d'insulter les gens. Va te coucher. J'ai besoin de tes talents de combattant. Tu m'emmerdes. Il faut pas dire des gros mots, il y a des enfants. C'est pas bien. Les enfants, ils veulent pas apprendre des gros mots. Folie furieuse de Fitz. Ah tiens. Oh!
caneton. On va lui apprendre ce que c'est. Va travailler un peu ta mêlée. Voilà, c'est ça. Hop, capturez-moi ça. Pim. C'est ça qui est bon. Et Spikey insulte, insulte, insulte. Et ben voilà, c'est bien le moment. Tiens. Et puis il le fait pas qu'à moitié. Hein. Oh là là là. Quel con ce Spikey. Putain, c'est mon deuxième meilleur tireur. Bon, Shadow et Gastox, je pense, n'auraient pas été très efficaces. Contre des mécanoïdes de toute façon, mais là ils veulent se courir. Un petit va faire de la bouffe après et un peu de stock. T'es sérieuse? Ouf. Bon, et puis bah l'assaut ensuite. À l'assaut, bah, sauf les blessés, quoi. Tant qu'il est fini de le soigner. Ils se sont pas loupés. Hein. Mais c'est bon, il est soigné. Okay. Bon. Allez, à l'assaut. Éternel, tac. Tu vas te caler là. Storch. Là. DB Games. Là. Always. Linat, tac. John. Là. Je disais que j'avais autant de cac de distance moi. Alors attends, on va mettre John un peu plus loin. Comme de toute façon il a un fusil de précision, c'est pas très très grave s'il est loin. C'est même mieux s'il est loin en fait. Il va se mettre par là. Et du coup, Storch va se mettre ici. Et puis bah, les cacs, ils vont aller se planquer par là au départ et ils vont se précipiter à l'assaut. Tac. Tac. Hop. Ouais, Rossignol. Mes cacs qui sont pas un peu équipés, je vais nous les laisser à distance. Hein. Normalement, il y a quoi? Y a... Ah, il y a une fournaise. Faut que je fasse gaffe. Les tesserons, c'est quoi ça? Mécanique de combat moyenne portée. Ah merde, ça enflamme. Il faudra que Madness. Plutôt Madness ici. Et Canton. Lancier, tout ça il pourra faire sans problème. Henriette aussi, il faudra qu'elle fasse gaffe. Allez, une petite sauvegarde. Hop, la coalition des seringues. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la VOD ici. Suspense. Spiky, tu peux aller rechercher ton arme. Gros suspense, donc on arrête la VD ici, on dit au revoir à la VOD, au revoir YouTube, et puis on vous retrouve très vite, et le combat au prochain épisode. Tadadadam.